j'ai derrière moi va servir au premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le lancement de travaux de modernisation de certains axes dans ce coin de la ville de Kinshasa. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous attendons le président de la République pour vous faire vivre cette activité qui se déroule aujourd'hui, le samedi 14 mai 2022, comme si vous étiez ici avec nous à Kanluka. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement à partir de la commune de Kanluka. Un seul titre, mesdames et messieurs, comme je vous le disais tantôt, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucié de doter les infrastructures de base et de qualité à la population, non seulement quinoise et congolaise, a procédé au lancement des travaux, des modernisations et des reconstructions de cet axe ici où nous sommes à Kanluka, l'avenue Cimetière. Je vous convie, mesdames et messieurs, à suivre l'intégralité de cette cérémonie et on se retrouve juste après.
Thank you.
assisté personnellement aux côtés du chef de l'État au lancement des travaux de ce tronçon ici dans la commune de Ngaliema. Un mot par rapport à ces travaux que le chef de l'État vient de lancer. Bien, merci d'abord pour la question, monsieur le journaliste. Je voudrais commencer par remercier le chef de l'État pour sa présence lors de cette activité de lancement des travaux de désenclavement du camp Luka. En effet, cela démontre à suffisance sa volonté et sa détermination de vouloir lutter contre les embouteillages ici à Kinshasa. Vous avez sûrement eu à l'entendre plus d'une fois, lors de ses communications, il a demandé à ce que le gouvernement trouve des solutions pour que la fluidité, qu'il y ait une fluidité dans la circulation au niveau de Kinshasa. Et justement, le projet qu'il a lancé, parce qu'il s'agit d'un projet de désengorgement, de désenclavement de Luka, de camp Luka, s'inscrit dans ce cadre de la lutte contre l'embouteillage ici à Kinshasa. Alors, de quoi s'est-il agi aujourd'hui? C'est que le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, bien sûr, avec nos structures d'exécution, l'office de voirie et de drainage, représenté ici par son directeur général, ainsi que le bureau technique de contrôle, représenté également par son directeur général, et l'entreprise Aron Sefou, qui va exécuter ces travaux, nous avons proposé un projet qui va totalement désenclaver le camp Luka. Comme vous le savez, la population de camp Luka est une population qui souffrait énormément d'une situation d'enclavement lié au fait que il y avait des ponts qui étaient systématiquement sous eau, inondés, mais également avec une rivière qui fait la limite entre la commune de Selembao et la commune de Ngaliema. Et donc ces deux passages posaient des problèmes très sérieux à cette population. Et aujourd'hui, suivant les instructions que nous avons reçues justement de l'autorité suprême, nous avons fait une proposition de projet. Ce projet vise d'abord la réhabilitation de l'avenue Cimetière. L'avenue Cimetière qui quitte le triangle Benseke. Nous allons complètement réhabiliter cette avenue manifeste qui va prendre en charge deux ponts. D'abord le pont Sakombi, qui est le premier pont. Et ensuite, le pont qui se trouve exactement à l'entrée du camp Luka. Et cette avenue manifeste se prolonge sur l'avenue Mahenga et ensuite l'avenue Louis, qui justement nous permet d'aboutir sur le pont qui est sur la rivière Makelele, le pont Louboudi. Et donc l'avenue Cimetière, qui va, comme je disais, être prolongée par Mahenga et ensuite par Louis. Ensuite, le pont qui sera réhabilité. Et je voudrais dire un petit mot sur ce pont, parce que ce pont, c'est un pont d'à peu près 100 mètres de portée et ensuite 9,50 mètres de largeur, et avec des passages pour les piétons, ce qu'on appelle les accotements, d'à peu près 1,20 m. Donc c'est un ouvrage qui est un ouvrage très très important et qui permettra justement que l'on puisse rejoindre, faire la connexion entre ces deux communes. C'est combien de kilomètres excellent sur la route? La route fait à peu près 1,3 km. Lui fait à peu près 1,3 km. Je crois que l'OVD pourra vous donner un peu plus de précision là-dessus. Mais l'important ici, c'est que ce pont permet justement qu'on puisse accéder à la commune de Selembao jusqu'à atteindre l'avenue 24 novembre. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons aussi l'avenue Chrétien qui fait la connexion avec l'avenue, avec Kitambo, en passant en dessous du pont Lundabululu. Donc nous avons ainsi, au travers de ce projet, permis la connexion de trois communes. Donc les gens n'auront plus à faire de détour en passant soit par Bandal, soit en passant par Upen pour redescendre, pour aller de l'autre côté, et ça sera juste parcourir 1,3 km ou 2 km et on se retrouve de l'autre côté vers Ngaliema. Donc il s'agit là d'un projet en termes de désenclavement, en termes de décongestion
du trafic à Kinshasa qui est vraiment essentiel et très important. Non seulement pour les habitants de Kaluka, qui bien sûr en sont les premiers bénéficiaires, mais pour tous les usagers de la route qui vont pouvoir, à partir de Kitambo, parce que nous partons déjà de l'avenue, que ce soit l'avenue Komoriko, ceux qui sortent de Mungiba, ils prennent l'avenue Komoriko, et puis ils passent sous le pont, automatiquement ils prennent l'avenue Cimetière ou l'avenue Chrétien, et ils ressortent sur Selembao, en passant, comme je disais tout à l'heure, par le pont. Donc je tiens vraiment à féliciter ici nos structures qui sont bien sûr à la base de ce projet, que ce soit l'OVD, que ce soit le BTC qui vont suivre les travaux. Mais surtout, nous voulons féliciter également l'entreprise qui a déjà commencé les travaux sur le pont, qui sont très avancés. Et nous assurons à la population que nous allons avoir un regard, faire un suivi mais quotidien sur ces travaux, de manière à ce que dans les 3-4 mois qui suivent, non seulement que les travaux de pont soient terminés, c'est ça le délai que nous a donné la structure qui exécute les travaux, donc la société Aronsefou, et nous pensons que dans le même temps, les travaux également de réhabilitation de la route seront achevés. Donc c'est vraiment pour la plus grande satisfaction de notre population. Comme vous le savez, c'est là vraiment le souhait, la volonté et la détermination de Son Excellence Monsieur le Président de la République que nous voulons matérialiser en tant que membre du gouvernement Warrior qui est dirigé par Son Excellence Monsieur Samalou Kondé, qui est le Premier ministre. Un message en Lingala cette fois-ci à cette population qui va vous suivre ce soir à l'antenne. Merci Ndeko journaliste na Mutuna Nayo. Tozala ki longo lelo na Kaluka esika tomoni esengo ya population milelo na bango eyokami ti na niveau ya Tata Mokonzi ya mboka, Son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atindi biso en tant que ba membre du gouvernement na ye poto luka ba solution pona makambo etele ba mbouteillage ya wana tomoni ke pona ko sili sa problème en mbouteillage il faut to fungola banzela ya sika pona ko permettre que to ba connexion entre ba commune et à la facile et à la simple. Alors to bandi lelo na projet wana ba projet mususu sali boyo karabakin 0 trou boyo karabachi les gelou mais lelo activité na bisa lelo ezala ki pona ko désenclaver ndenge balubaka na lokoto ya mundele pona ko désenclaver Kaluka, c'est-à-dire lelo na projet to sali Kaluka à cause la bata Kaluka ba cause na possibilité ba kende na Selembao bata Kaluka ba cause na possibilité ba za jana katangali madon ba za na possibilité ba kende kota Benseke ba misusu ba lekala kota Kitambo kote wana nyonso banzela toza ko bongisa ba pont toza ko sala po ya munene o e separa o e kabola Kaluka na Selembao ba ko sala yango pe à peu près pont ya 100 mètres. Donc vraiment Tomoni et Sengo ya population. Tomoni combien Bayambi Tata Mokonzi ya mboka na Sengo nyoso. Donc vraiment ndenge balobaka na lingala bu na filé. Dernière question excellence, pouvons-nous savoir le coût du budget, la durée, est-ce que l'argent est déjà disponible? J'ai à côté de moi le responsable de la société EAS Aronsefou qui va exécuter les travaux. Mutuona na fono pa kutuna ngai botuna yemoko poye moka milobela po nga sona lobi bokoloba ke non, c'est peut-être le ministre est en train de faire de la politique ici. Non, c'est pas de la politique, il est là, il a déjà reçu la totalité de l'argent pour ce qui concerne la construction du pont qui est l'ouvrage principal. Oye kosenga mbongo mingi, c'est cet ouvrage ya pont là, l'argent est déjà disponible, il est là, il avait reçu une première partie, maintenant nous avons soldé. Oeza kolanda eza mbongo ya nzela yango pe azui. Donc ça voudrait dire que ici aujourd'hui il n'y a plus rien qui s'oppose à ce que le projet soit réalisé. Donc vraiment nous sommes sérieux dans ce projet, nous sommes engagés dans ce projet et les résultats bilembo et au moins dans très peu de temps. Votre gouvernement, le gouvernement de Warrior qui est dirigé par Son Excellence Monsieur le Premier ministre Samalou Kondé est à l'œuvre. Nous travaillons boutoumon yitozako la tepona bino pona koluka ba solution pona ba problème oza ko déranger bino
parce que nous vivons tous dans la capitale de Kinshasa. Nous voulons que Kinshasa soit véritablement, non seulement la capitale, mais un vrai miroir pour la République démocratique du Congo, que tout celui qui vient ici en République démocratique du Congo soit accueilli et puisse bénéficier de cette ville, de notre capitale, qui est une belle capitale, mais vraiment dans les meilleures conditions. C'est pourquoi Son Excellence, Monsieur le Président de la République, met vraiment un accent particulier sur la problématique des embouteillages et, comme je le disais, le gouvernement est à pied d'œuvre, non seulement sur la réhabilitation des voiries de la ville, mais aussi sur les autres aspects qui contribuent justement à lutter à l'embouteillage, c'est-à-dire comment faire pour que la circulation aussi, la régulation de la circulation soit mieux organisée. Donc nous avons un programme pour ce qui concerne notre police, pour nous former un cadre agent à SICA, pour nous déployer sur le terrain. Mais nous avons en même temps aussi un programme de sensibilisation. Et là, le ministre de Transport, notre collègue, a présenté d'ailleurs un projet lors de notre dernière réunion du gouvernement ce vendredi. Et je pense que vraiment, dans les jours qui viennent, on va voir des changements notables, visibles, par rapport à la problématique des embouteillages. C'est par ici, mesdames et messieurs, que nous mettons un point final à ce numéro. Infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo pour ne rien rater. Le rendez-vous est pris avec vous pour la semaine prochaine. Je vous rappelle que vous venez de suivre le lancement des travaux de l'avenue Cimetière et la visite du président de la République dans le quartier Kanluka, dans la commune d'Ingaliema. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.